arrivé à Sabah, on m'a pris en otage. Bon Dieu m'a servi. Là la famille. Je remercie ma famille qui m'a beaucoup aidé. Si tu n'as pas la famille, tu vas mourir là-bas. Et tu vois là-bas, on bat quelqu'un jusqu'à la mort. Ça me fait mal, quelqu'un qui sort pour amener quelque chose à la famille. Et la famille s'occupe de toi là où tu es. En Afrique, vraiment, pour avoir quelque chose très rapidement, il faut que tu aies le départ. Ce qui m'a fait motiver aussi de prendre la route, parce que j'avais des amis qu'on faisait du thé, on travaillait ensemble, ils sont en Europe. Il revient, il fait quelque chose que je ne peux pas faire, satisfaire tous les besoins de la famille. Et malheureusement, pour moi, je n'ai pas pu arriver parce que j'ai fait 3 mois en connexion sans partir. Et c'est désert. Tu manges le matin, demain matin encore, une bouteille d'eau. Ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu sur la route là, ça m'a motivé quelque chose. Je sais que même dans mon pays, maintenant, quand je travaille, je vais gagner ma vie.